Bonsoir les gens. Je suis Mel et on va parler de oh, je suis où? Ah, Angoulême, on va d'Angoulême. On va faire qui c'est qui a la plus grosse pile de comics achetés et dédicacés. Je crois que c'est moi qui gagne de nous deux. Hein. Ouais, mais c'est pas celle-là qui compte, hein, avec les femmes. Ah. Je m'en fous, je te gagne quand même. Con. Et ouais, bah vas-y, commence. Bah, on va commencer avec le coffret Blu-ray collector là, de Batman, TS, qui a dit bonjour à Paul Dini, et qui a dit bonjour aussi à un doigt, hein, parce que voilà, ça s'est un peu effacé là. Il a aussi dit bonjour à Muta Fukaz. Ah ouais, il y a Muta, il y a toujours avec le label 119. Hein. Toujours là. Hein, voilà, il y en a partout. Il y en a un qui a été collé à Angoulême. Non, t'as oublié. Ah non, oui, c'est vrai, putain, merde. Oh putain, oui. Malin. C'est vrai, malin. Malin comme le Sphinx. Ah, je pensais plutôt malin comme mon oncle Balin. Ah. Bon bah, putain, encore Muta Fukaz du coup. Bah, c'est pas grave, on va dire merci quand même à Neyef, hein. Et toi, Neyef, il t'a fait quoi déjà? Moi, Neyef, il m'a fait. Attends, bip. Ouais. Yo, c'est quoi ça? C'est chelou, on est d'accord. Mais ça, c'est. Ma bite. Ta bite? Ouais. Voilà, c'est le sujet. Neyef. Une grosse pile de comics, c'est pas une moi. Grosse bite, hein. Avec moi, il a pas été gentil, moi, il m'a juste fait ça. Il a juste signé. C'est bon, mon putain madré. Alors, je suis triste. Non, je rigole. Moi, j'ai pris le Bayou Bastard. Dice. Le premier. Il m'a fait ça. Ça te ressemble un peu, hein? Un peu, ouais. Il a pas autant de cheveux que moi. Non, c'est le contraire. Mais autant de cheveux, ouais. Il manque la machette. Machette. J'ai acheté aussi chez Panini, c'est le seul truc que j'ai acheté parce que je vais essayer d'arrêter les kiosques. Il va essayer d'arrêter Panini tout court, hein, j'espère. Non, parce que les trucs comme les trucs indés qu'ils font, moi, j'aime bien ça. Mais il est pourri. Mais je sais pas, moi, c'est du Jeff Lemire. Et du coup, c'était une avant-première. C'était même pas écrit que c'était une avant-première. Jeff Lemire a écrit du caca, donc du coup, acheter. Oui, mais Jeff moi, tout ce que j'ai lu de lui, c'était pas du caca. Bah, d'ailleurs, j'ai acheté le Dark Injustice, sauf que je l'ai pas encore lu, mais tout le monde en dit pas que du bien. Du coup, je verrai quand je le lirai. D'ailleurs, il y a une super collection bien sympathique. Hein. Bah, vas-y, on va continuer chez la belle 79. Ouais, bah, je pense. De toute façon, moi, c'est. Ah non, après, c'est en camin. Et du coup, ouais, sinon, bah, tu vois, chez nous, la belle 79 encore. Voilà, sur Maple Square du coup. Très bon petit gars, hein. Très bon petit gars. Et puis je spoil, en octobre, il y aura un Doggy Bags avec Ron et Ludovic. Chano. Voilà, c'est spoilé. Du coup, bah, je vous montre le mien de chez Snow. D'ailleurs, je disais chez Snow avant, et j'ai compris que c'était pas chez Snow. Chez Snow, mais Snow, il a rien compris, t'es con toi. Mais quoi? Snow, mais c'est, il comprend rien. Attends, j'ai pas mis longtemps. Tu l'as pas mis longtemps, ouais. Non, mais c'est que à chaque fois, je le mets pas assez longtemps, et les gens, ils ont pas le temps de voir quand je vous montre des trucs. Du coup, j'ai grâce à ma bonté... Ça, c'est à moi. C'est une avant-première qui était là-bas. Du coup, je l'ai pris, c'est Jimmy's Bastard, le tome 2, et il me l'a fait dédicacer parce que moi je l'attendais pour. Ah oui, c'était pour Paul Dini, ouais. Voilà. Très gentil, le petit gars, franchement. Ouais, super, on a parlé un peu, il est super sympa. Il avait les. Putain d'originaux, c'est un pote de Lyon qui en a pris. Il y avait un petit Batman sympa en plus, 25 balles, pas piqué des hannetons. Du coup, ouais, franchement, le Preacher qui lui a pris. Ah ouais? Bon, par contre, le Preacher était un peu plus cher. Je pense qu'avec la série, ça doit aider, mais. Il a parlé de Paul Dini tout à l'heure, moi aussi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait signer mon Mad Love. Bon, à la base, j'étais limite parti pour ne pas le faire signer. Mais je l'ai motivé un peu. Voilà. Une petite claque sur les fesses, et puis c'est parti. Et du coup, Paul Dini, je sais pas ce qu'il a. Je pense qu'il devait pas aimer ma tête parce qu'il m'a. Pratiquement pas parlé, il m'a pas dit au revoir, il me. C'est vrai que moi j'ai bonjour, pas parlé. Bonjour, il m'a dit bonjour. Lui il a pas mal parlé, surtout grâce à ton t-shirt Pickle Rick. Ah ouais, c'est vrai que. Ouais. Non, c'était pas Pickle Rick, c'était juste Rick et Morty. C'était juste Rick et Morty. C'était juste Wabalabadabdab, mais ouais.
C'est vrai que moi j'ai un peu de chance sur le coup par rapport à Mélanie. Ouais, moi je lui ai dit au revoir, je lui ai dit merci, au revoir. C'était à la chaîne, on y va. J'ai encore acheté un autre truc chez Snorgleux, en avant-première. Animosity, le tome 3. Voilà. Le comics que je pensais qu'il allait copier Zo, mais qu'au final c'est un mix entre Zo et Walking Dead. Zo. Il y a un livre Zo qui a été adapté en série, et du coup j'ai regardé la série. Et j'ai lu le livre après, et du coup c'est vrai que c'est, la série est déjà différente du livre. Mais au final c'est pas trop comme ça, mais en fait Animosity c'est un mix entre Zo et Walking Dead. Mais après, moi ça me fait penser à un truc de Garth Ennis qui s'appelle Grover et Charlie, j'en ai parlé en plus dans une vidéo des trucs que je vois. Et j'ai jamais sorti en France. J'ai aussi, sur mes dernières lectures de la semaine, je vous ai parlé de The Golden Path. La lecture de la semaine de Mélandria. Nouveau jingle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. De Baptiste Pagani. Ce mec, putain, il est super gentil. C'était... Du coup, je lui ai fait signer ça. Enfin, il m'a fait ça. Perso, je l'ai pas encore lu parce que les dessins, je suis pas chaud. Bah moi non plus, au début, les dessins, j'étais pas chaud, mais bon... j'ai une confiance plus pratiquement aveugle au Label 619, du coup... Bah je prendrai certainement le prochain, mais les dessins, je suis pas chaud. Oui, mais les dessins, j'étais pas... Mais j'avoue, par contre, la dédi qu'il t'a fait, elle claque bien, quoi. Attends, à chaque fois, je me trompe, je dis Nicopec. Moi, je dis Nipothèque. Ah oui, non, Nicopec. Je sais pas pourquoi. Nicopec super sympa d'ailleurs. Ouais, il était super sympa. Et tout tranquille. Il est super cool, mon petit zombie là. Ouais, vas-y, allez, on passe. Grégory Sand. Chez Wanda Comics. Avec Grégory Sand, on a acheté. Enfin, moi j'ai acheté que le 1. Moi j'ai acheté les 3. Parce que en fait, ça fait. Les 3, c'est une série complète. Et la 3ème en plus, c'était une exclusivité. Ouais, c'était une exclusivité pour la fille BD. Ouais. Mais moi après, c'est vrai que j'ai pris que le 1 parce que j'allais trop chargé. Et que Jocelyn, qui est au dessin, je le vois très très souvent dans des conventions sur Lyon. Donc. Je prendrai les autres plus tard. Et sur Lyon, ce sera plus facile. Je pourrais tout prendre d'un coup. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Et c'est Mobius du coup qui est au scénario dessus. Mobius, putain, la fatigue. Vas-y, moi j'ai fait un Renato Jones. Oui, mais faut expliquer ce que c'est. Je te laisse expliquer pendant qu'il voit mon Renato. En fait, c'est un truc qui se passe dans le monde des rêves, c'est ça? Ouais. Et il nous fait les personnages qu'on veut, les dédicaces super stylées. En fait, il va nous faire le personnage principal qui aura pris la forme que nous on veut dans un rêve. Du coup, ce qui fait qu'on peut lui demander une bite, il va nous faire un personnage bite avec des yeux rouges et bleus. Ou Renato Jones, comme vous avez pu le voir. Et après, pour toi, du coup, on a un peu chopé les trois. Ouais. Et moi, j'ai demandé du coup Vince. De Muta Fukaz. C'est pour le tome 1, oui. Ce qui était bien, c'est que quand t'achetais les trois, t'avais une dédicace par tome. T'en avais pas qu'une pour les trois, quoi. Ensuite, il a demandé pour le tome 2 un petit bout de short. Ouais. J'aimerais pas qu'il me fiste personnellement. Mais il y en a un autre qui se prépare à fister, hein, le troisième. Ah ouais, le troisième c'est mon préféré. En même temps, voilà. C'est Moon Knight. Prépare-toi, tu vas bien dormir cette nuit, toi. Hein. Et putain de merde. Je vais y aller jusqu'à l'épaule. D'ailleurs, Mobius il était à côté et il ne l'a pas signé celui-là. Ah bah voilà. Il l'a juste pris en photo. Ah bah voilà. Non, ça va, c'est Paul Dini qui fait ta gueule. Je pensais que ça aurait été Miller en premier, mais non. La belle 119, du coup, j'ai réussi. On m'a convaincu, je sais même pas, Kennel Block Blues. J'ai pas lu, mais enfin j'ai commencé à lire, mais du coup c'est rigolo parce qu'en fait, je vous montre les deux premières pages. Ça, c'est ce qu'on voit dans le monde réel. Et ça, c'est ce qu'on voit Olivier. Olivier, c'est lui. Et c'est donc du coup, ça se passe dans l'univers carcéral et tout. Et bon, je pense pas que ça sera aussi développé l'univers carcéral que dans les Doggy Bags et. Non. Ou t'as Foucault, quoi. Non, c'est pas autant développé, c'est pas... Ouais, non, mais je pense bien, mais après, ça a l'air super barré, quoi, enfin... Oui, parce que ça, c'est pas du Label 119, oui, c'est juste en Kama. Mais du coup, ça a l'air super barré, du coup, j'ai fait, bon, allez, vas-y, ça a l'air rigolo. Et puis les couleurs ont pas mal de peps, et j'aime bien, ça change un peu, quoi. Moi, je suis passé chez Bliss Comics, Bloodshot, Salvation, le dernier tome de Salvation. Je le voulais, du coup, bah voilà, et vu qu'il y avait un des dessinateurs, il m'a... Doug.
coup, en même temps, ils nous ont filé. Mais ça, c'est parce qu'il y avait quelqu'un dans la file qui l'avait. Et ça, je le voulais. En fait, c'était un truc spécial pour la Fnac, normalement. Et c'était pour Noël. Noël, ouais, dernier. Noël. Et du coup, il y a du Faith et du Giant Days. Et c'est des exclus pour la France, je crois. Ouais, ils ont fait ça, ouais. Mais du coup, moi, j'ai réussi à faire aussi son dégain. Mais sauf que toi, t'as rien acheté en plus. Hein, bah, pour le je l'ai chez moi, peut-être, tu sais pas. Tu n'es pas de Valiant, peut-être. Ouais, mais comme ça, moi, je vais tester Face et Face, Duc du Trombon. Attendant de parler de me casser les couilles avec, bah, je vais tester. Ensuite, alors, voilà. Petite dédicace de Jock sur mon Batman, The Batman Who Laughs issue 1 avec la cover de Capullo. Ouais, c'est... mais Jock, la cover, je savais pas ce qu'il avait fait, donc j'ai pris la cover de Capullo, voilà. Franchement, super sympa. On a vu Jankski, ça c'est une BD que je voyais depuis longtemps dans des rayons. Là, la cover elle m'intriguait à chaque fois, je savais pas ce que ça donnait. Il m'en a dit du bien, du coup bah, je l'ai pris, surtout qu'il y avait l'auteur, et du coup il m'a dédicacé en scred, on va dire, parce que il est chez Delcourt. Ah, parce qu'il a, il a été assez con, parce qu'en fait je le connais personnellement, et on va dire qu'il était assez con pour du coup se ramener à Angoulême en mode bah du coup c'est à quelle heure que je fais les dédis. Et du coup on lui a dit mais non. Tu fais pas de dédicace, tu t'es pas prononcé pour venir en faire, t'as pas demandé à en faire, donc du coup t'en fais pas. Mais du coup il a pu en dédicacer 4, et bah moi comme chaque fois je vois, enfin voilà, il m'avait dédicacé mon... 5 en compte en celui-là. Du coup moi il m'a dédicacé mon petit badge tranquille. Parce que du coup à chaque fois que je le vois, j'ai jamais mon comics avec moi. Donc du coup bah à chaque fois on fait avec les moyens du bord. On a vu Mirka. Ce que j'attendais quasiment le plus. Oui, moi aussi. Enfin, c'est ce qu'on attendait plus, tous les deux, plus ou moins, je pense. Et on était vraiment pas sûr de pouvoir le vendredi, on se fait refouler. Parce que j'en ai parlé, je sais pas si vous l'avez vu, et j'ai adoré, même si sur Instagram j'ai critiqué pas mal de défauts. Mais bon, au final, les défauts, t'en as rien à foutre, tellement l'histoire elle est trop bien. Quoi. Les défauts, tu veux parler des poils de cul qui sont. Oui, c'est ça. Ah putain, moi ça m'a choqué aussi. Mais moi, il y a une casque vide ou un truc comme ça aussi, je crois. Oui, il y a une casque vide aussi. Ça m'a choqué. Il y a une casque vide où il n'y a rien dedans. Bah moi, la première fois, en fait, c'est en re-regardant pour voir les poils de cul. J'ai vu ça, j'ai fait putain, mais il y a une casque vide là. Mais qu'est-ce que c'est normal ou. Non, c'est pas normal. Hein. Dans l'issue, j'ai vérifié, dans l'issue, il y a le bien rempli. Ah ouais, elle est bien remplie. Ouais, il me semble. Alors, faut que je revérifie, mais je crois que j'avais investigué là-dessus et qu'il y avait quelque chose. Ouais, les poils de cul. Mais après, au final, à partir de. D'ailleurs. Grand merci à Captain America parce que c'est grâce à lui que j'ai pu faire signer mon job. Ah oui, bah oui, carrément. Et aussi merci grâce à lui parce que du coup on n'a pas eu besoin de faire d'achat chez Glénat. Parce que du coup il nous a donné des tickets dédicaces chez Glénat qu'il avait chopé en achetant chez eux. Oui. Donc du coup merci à toi mec. Merci voilà. Si tu vois la vidéo. Mais tu vas la voir, coup... c'est obligé. Il va la voir. Du coup moi elle m'a fait une Poison Ivy version. Enfin une Leslie version Poison Ivy. Je suis bien dégoûté parce que c'est ce que je comptais faire, mais du coup. Eh ouais, bah tu l'as pas dit, t'as dit Black Canary ou Harley Quinn. En fait j'ai essayé de pister, de cacher mes pistes et tout. Mais du coup, bah au final, je me suis retranché quand même sur une Black Canary. Il y a aussi autre chose qui s'est passé avec Mirka, parce que Mirka, je lui parlais déjà sur Instagram, et du coup, j'ai réussi à me faire dédicacer ma cover alternative de Unnatural. Et donc, c'est une cover de Milo Manara, un dessinateur italien assez olé olé, hein, on a pu aller voir son exposition, c'est assez olé olé. Oui. Et il se trouve qu'il était aussi présent sur le centre de Glénat, et que les dédicaces sont parties super vite, et j'ai capté en plus trop tard pour faire la queue pour ça, que c'était lui qui a fait cette cover là. Mais grâce à Mirka, du coup, j'ai pu. Avoir obtenir le Saint Graal. Et à Mirka et Glénat aussi. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai que merci aux gens que je connais chez Glénat. Mais du coup, enfin voilà, franchement, merci Glénat, merci Mirka, parce que du coup, là, bah, là c'est la totale. Hein. Bruno Bessadi, bah, il est venu chez Snorgle, un peu en fait. Comment tu dis Fred Tu dis comment toi Snorgle. Snorgle. Putain, j'arriverai jamais à dire, moi je suis dit, pour ça, à chaque fois, je l'appelle Snorgle, parce que je ne sais jamais le dire en fait. Ouais, Snorgle. 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 Putain. Et d'ailleurs, il y a. Non, je vais le dire. Non, vas-y, moi j'ai déjà kickstarté, moi j'ai. D'accord, moi. Enfin, ululé. Oui. Du coup, et en plus, il y a Bruno Bessadi qui en a profité pour faire sa promo pour son. Le Lion Barbare. Le Ulule qu'il a lancé il y a quelques temps qui explose. Plus de 400%. Enfin, il est au-dessus de tout ce qu'il pouvait penser obtenir.
Et en fait, ce sera un livre qui répertorie les 31 dessins de son Inktober qu'il avait fait sur Conan le Barbare avec un lion. Et il y aura aussi d'autres bonus qui ont été ajoutés et qui vont être ajoutés encore. Mais comment vas-tu? Comment vas-tu? Bah, je t'encule. Et du coup aussi, il va en faire sûrement une BD. Parce que je lui ai demandé du coup, parce que moi, oui, aussi, oui. Moi juste un artwork, un truc avec juste des dessins, moi ça m'intéresse pas plus que ça. Du coup, je lui ai demandé s'il allait en faire une série. Et il m'a dit oui, qu'il était en train de plancher sur un scénario en ce moment. Plancher quoi? Pour un dessinateur, bravo, c'est magnifique. Quelle blague, quel humour. C'est comme dessiner pour un dessinateur hier. Je relevais justement que c'était rigolo, c'était subtil et bien amené. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, il se met à faire du tatouage. Du coup, peut-être qu'un jour, j'irai à Marseille me faire tatouer un petit dead end sur le cul. Voilà. Parce que vu son style de dessin, j'adore. Et du coup, moi, je me suis fait dessiner sur. J'étais chez Snorgle, mais c'est du Delcourt que je me suis fait signer et j'ai fait le petit dead end. Bon, à la base, il était. C'est pas qu'il était pas trop chaud, mais il avait pas trop de noir, du coup. Moi, c'est Sus qui m'a sorti en tout cas. Oui, non, mais moi aussi, il me l'a dit. Après, il a pas fait la même taille non plus. Hein. Oui. Et du coup, ouais, il m'a dit qu'il avait pas trop de noir. Je lui ai dit, oh, c'est pas grave, hein, fais-le avec du blanc, je m'en fous. Moi, Bruno Bessali, ça faisait longtemps que je voulais le voir. Oui, moi aussi, après, ça fait super longtemps que je voulais le voir. Parce que du coup, je l'ai connu via Instagram par rapport à un pote qui est justement durant le Inktober. Il y a Johan, si tu as sa vidéo, coucou, qui m'a d'ailleurs fait un putain de Renato Jones. Oh. Et du coup, dans le concours, il m'avait cité, il fallait taguer un pote, et du coup, il m'avait tagué moi. Et du coup, j'ai découvert Bruno comme ça. Et après, j'ai parlé plusieurs fois avec Bruno sur Instagram, et c'est vrai qu'à chaque fois, je voulais le voir. Et donc là, quand. Le comité des comics m'a annoncé que du coup il est dans le coin et qu'ils avaient encore du badass intégral. J'ai fait bah c'est bon, je prends le tout. Et du coup, moi il m'a fait un personnage dont je sais plus comment il s'appelle. Aucune idée de comment il s'appelle. C'est gentil. Ni de ce qu'il fait dans la vie, ni de rien. En tout cas, il est quand même assez badass. J'aimerais pas prendre une page de sa gueule. Puis il a l'air rigolo, non? Donc il a un peu de tir à la gueule, il a pas l'air d'être content de vivre, mais je pense qu'il est badass. J'ai réacheté pour un pote qui voulait la jaquette, genre, le Mad Love. Non, ça c'est l'excuse qu'il nous a donné pour faire croire qu'il avait des potes. Putain, mais à vous le moment. Et du coup, la jaquette, tu pouvais pas l'acheter tout seul, j'étais obligé de racheter le comics pour l'avoir, alors que ça il avait pas du tout précisé. Je suis Urban et c'était pas super, parce que moi j'aurais bien aimé avoir celle de Top 10. Je sais plus ce qu'il y avait. Après, elle est classe, mais c'est vrai que racheter le comics, bah ouais. Juste avoir un sur papier, moi je trouve ça un peu. Bah ouais, puis en plus elle est pas. Enfin, c'est juste en papier. Bah ouais, je pensais que ce serait plus ou moins plastifié, genre un peu comme il faisait avant sur les Deluxe de sur les Marvel Deluxe Panini quoi. Ah, même ça, je trouve que ça s'abîme vachement. Mais, oui, mais ouais. Ça serait moins abîmé que ça. J'aurais préféré un tirage limité avec une mais cover. Mais ça a été limité quand même. Oui, c'est limité, mais avec une cover, une vraie cover quoi. Enfin, ouais, j'en ai pas pris parce que du coup. Top 10, il l'aurait été, je l'aurais pris, je pense. Parce qu'en VO, il coûte un peu cher. Ouais, il coûte un peu cher en VO, je trouve, quand même. Ah ouais, ouais. Sinon, les mecs de la Sécu, hein, super gentils. Ouais, super, les mecs de la Sécu. Surtout ceux qui étaient à côté de. Pantang Kama. Pantang Kama, super, les gars. C'était nickel le travail. Les parfait. Gars, il y avait une fille aussi. Non, mais les gars, ah putain. C'est en général. Allez, vas-y, je vais parler en inclusif maintenant si tu veux. Bah si, les stands étaient quand même super jolis. Ouais, les stands étaient cool. Après, il y en a qui étaient pas très pratiques. Genre Panini. Panini, ils étaient serrés, mais tu pouvais pas. Excusez-moi. C'est ça. Non, si. Ah, si. Suburban, il était joli quand même. Le plus gros problème qu'on a pu remarquer, mais c'est sur beaucoup de stands, mais après, vu qu'il y a énormément de stands et qu'on a fait une infinité de stands, c'est le manque d'informations. Ouais. On va demander quelque chose à quelqu'un du stand, il va dire blanc, on va demander la même chose, ou quelqu'un d'autre va lui demander la même chose à une autre personne du stand, ça va être une réponse tout autre, et du coup, bah, on se retrouve avec deux informations, c'est pas laquelle est la bonne. C'est ça. Après, il y a pas que pour les expos, enfin pour celle de Batman, ça a été ça. On fait les choses en conséquence, et au final, on nous dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, et du coup, bah, on n'était pas exactement prêt, quoi. Enfin, voilà. Angoulême, c'est joli, pas. Non, c'est dégueulasse quand même, c'est vachement. Je croyais que t'avais bien aimé au début. Manga City, on l'a pas fait. Bah, d'ailleurs, enfin, j'ai pas capté, mais sinon, moi je serais bien allé en plus. Bah, au début, Manga City, je pensais que c'était les expos liés au manga, moi perso. Et je savais pas que Pika, Glena étaient du coup eux au Manga City et du coup pas présents ici. Quoi. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Donc, par contre, niveau cosplay, je pense qu'elle avait vachement plus niveau Manga City que niveau. Parce que niveau comics, on a pas vu. Enfin, niveau comics, niveau BD, j'en ai vu qu'un seul moi. Ah, j'en ai vu 2-3.
Après, si j'ai vu des. Bah, j'ai vu le mec qui avait les cheveux jaunes là, qui nous a qu'on lui a dit qu'il y avait des beaux cheveux. Bah, c'était My Hero Academia, ça, non? Ah putain, moi je croyais que c'était Yu-Gi-Oh! Je pense que ah ouais, non, c'est trop à la mode et que My Hero Academia c'est un peu la mode. Oui, oui, oui. Et ça me dirait un truc dans un perso de ce truc là. On a vu une cosplay de Raven aussi. C'était sans faire exprès, mais. Ouais, j'ai les cheveux bleus et moi les gens qui ont les cheveux bleus je les appelle Raven de base. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, niveau cosplay, niveau comics, en tout cas, il n'y a pas des masses de trucs. Après, on a eu des infos là-dessus et le directeur du festival d'Angoulême qui a pris place, qui a pris position il y a 5 ans, il a vachement ouvert et étendu le truc aux comics et aux mangas. Et ça fait 3 ans que ça commence. 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans. Donc, du coup, on est. Pas sans risque que ça commence à évoluer un peu et que ça prend de l'ampleur aussi cosplay niveau comics. Parce qu'à la base, le festival de la BD d'Angoulême, c'est surtout de la BD franco-belge. Quoi. Ça se voit de toute façon. Ah, ça se voit, de toute façon, le nombre de stands franco-belge est impressionnant. Mm. Et c'est les stands d'ailleurs qui ont le plus raqué, j'ai l'impression. Quand même, oui, je pense. Et ils ont des... enfin, franchement, c'est quand même... ils ont quand même un putain d'espace, c'est franchement classe. Mais après, niveau comics, on a vraiment pas non, de plein. Non, niveau comics, on a pas eu Beaucoup d'éditeurs présents. Le seul que je regrette qu'on n'ait pas eu, c'est iComics. Achilleos aussi, ouais. Mais ouais, iComics, c'est vrai que ça aurait été super bien, surtout qu'ils viennent de se lancer, entre guillemets, parce que ça fait quand même un petit moment maintenant, mais ça fait pas longtemps par rapport à certains. Je pense que c'est une question de prix, parce que question le temps, ça va coûter la peau du cul. Ouais, aussi. Mais Achilleos, c'est vrai que, ouais, en plus, c'est vrai qu'il y a Bliss, et Bliss et Achilleos sont dans le même bâtiment. Ah ouais. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je m'attendais, quand j'ai vu Bliss, je m'attendais vraiment à voir Achilleos à côté d'eux, quoi. Et non, on en a eu manga. D'ailleurs, c'était bizarre parce que Bliss, c'est du Valiant. Et chez manga, ils ont un truc qui s'appelle Les Valiants. Et du coup, t'avais les Valiants et pendant ce temps-là, on avait aussi Jocelyn qui nous dessinait un Bloodshot. Voilà, ouais. Et il y a le directeur de Bliss. Qui est passé à côté, oui, il fait la réflexion en mode bah, c'est où Bliss? C'est ici ou c'est là? Je suis un peu perdu. Les Valiants, Valiantes, Bloodshot. Un peu compliqué votre histoire. Sinon, on peut aussi. Ouais, si, quand même pas mal de bonnes rencontres et de. Ouais, bon, on a bien fait les cons en plus. Voilà. Là, le milieu d'abonnés. J'espère. Alors. T'as pas eu ton slip? Ah non, il a son slip, c'est bon. J'ai perdu, moi. Alors, attends. Et voilà, c'est pas droit devant toi. Non. Il est con. Eh, t'as vu ton slip? Alors, attends là. T'es sûr? T'es ouais. sûr ouais. T'es c'est sûr, bon. Baptiste ouais. Tu vas se regarder. Ouais, je gagnais. Il a gagné. Applaudissez-le. Il a gagné. Merci. Il a gagné, c'est bon. Je suis plus fort. 1 million d'abonnés, on les a maintenant, c'est bon. Jaune. Tous les autres, ils ont pris vert. Moi, je prends jaune. Et voilà, parfait. Merci. Bonne journée. T'as trouvé la carte au trésor? Il est où le trésor? Montre-moi, il est où le trésor? Il est où? Il est là-bas. Bah non. Il nous a fait des méchancetés. On va perdre 1 million d'abonnés. Sinon, là, il y a une grotte secrète. Une grotte secrète, là? Et là, le trésor. T'es sûr? Je suis déjà allé, j'ai pris ce bateau, là. Ah, mais c'est toi sur le bateau, là, je te reconnais. Mais c'est parce que. Mais non, j'ai un chapeau, j'ai été capable. Bah oui, mais on te reconnaît comme deux gouttes de chapeau. C'est Angoulême? Ah, mais il y a l'eau à Angoulême. Ça, c'est la Charente. Elle est pas belle, mais il y a l'eau. Ah. Donc, du coup, les gens d'Angoulême, ils se lavent aussi. Ouais, dans la Charente, pas trop. Ah, nous, on n'a pas l'eau, nous. Nous, on ne savent pas. Ah, tu viens d'où? Moi, je viens de d'Arcachon. D'Arcachon? Ah, comme le cochon. On fait les cochons là-bas. Il y a des cartes au trésor? Sur les trésors? Il sait où est le trésor? On a été à l'avant-première CGR, des FAQ de la petite mort de David Mourier. Et c'était bien sympa, enfin moi j'ai bien ri, il y a plein de références à YouTube. YouTube et Davy en général, ce qu'il a fait dans le passé. Je crois que celui qui a le plus tué c'est l'homme pourpre, et du coup ils ont mis Monsieur Poulpe en pourpre. Par rapport à Ah mais c'est dans les noms, juste dans les noms des commentaires. Oui, moi référence à lui, c'est Monsieur Poulpe mixé, j'avais jamais pensé à celle-là, et franchement elle est très 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 bonne. On a même eu des discussions bizarres, on a parlé de règles avec une fille. Oh, c'est GR. Avec Jean Ski. C'était lui, à côté, c'était pas mal. On a fait l'expo. Non, on a fait l'expo, je sais plus comment ça s'appelle, manga. Je sais pas le prononcer.
On a fait aussi l'expo de Manara. Avec la petite partie olé olé. Sutomi Miei. 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 M-I-H-E-I. Miei. Qui était un architecte à la base. Et du coup, je connais quelques trucs de lui et quelques œuvres, quelques-unes de ses œuvres. Et j'avais bien envie de la voir. Et franchement, c'est impressionnant de voir les planches originales. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tous les trucs qu'on voit dans les mangas qui sont les petits points là, en fait, c'est de ce que j'ai remarqué sur les papiers, sur les feuilles originales, c'est qu'ils dessinent. Toutes ces parties-là, en fait, c'est du papier transparent avec des points déjà imprimés dessus qui découpent et qui collent. Et franchement, ça casse un peu le mythe quand même. Parce que je me demandais comment c'était fait, si c'était fait par numériquement à la fin ou pas. Mais non, en fait, du coup, c'est juste collé. Ah, t'es enrhumé toi encore. Oui. Bah voilà, c'était pas mal. Même Milo, franchement, il y a des putains de tableaux. Hein. Oui, oui, oui. L'exposition Batman aussi qu'on a pu faire quand même. Oui, l'exposition Batman, on a chié un peu. On a attendu. On a attendu longtemps quand même. On nous a dit que c'était 9h alors qu'au final c'était 10h. C'était 9h pour les passes VIP. Early, en gros, c'était early morning. On a réussi à la faire et franchement c'était fort sympathique. Cool. Ouais. Puis à la fin il y avait les planches originales de pas mal d'artistes et il y en avait qui étaient. J'en ai pas vu par contre. Le truc que j'aurais voulu, c'est qu'il y ait des planches de Sean Murphy quand même. On a vu les covers de Jim Lee en original. Oh, c'est magnifique. Ouais, moi il y a celle de Mignola qui m'a. Prédateur là. Ah putain, ouais, qu'est-ce qu'elle est belle. Il y en avait d'autres aussi, je sais plus. Ah, il y en avait plusieurs, plus trop qui c'était tous, mais il y en avait qui étaient super bien. Il y avait de quoi se faire plaisir là-bas. Ouais. Bah même franchement, dans l'expo en elle-même. Oui, dans l'expo en elle-même. La Batcave était cool. La partie de Zindar Cave était magnifique. Était cool. La Batmobile aussi qui était dehors, exposée dehors, elle déchire, enfin il n'y a rien à dire là-dessus. Tu me files la photo d'ailleurs. De son cul ? Oui. Ouais. Parce que, en fait, on pouvait pas vraiment la voir de son cul. Il y avait des barrières qui... Ouais, voilà, il y avait des barrières qui la cachaient, mais c'est pas des barrières dégueulasses, c'est des barrières de chantier, mais... Et du coup, on pouvait pas aller derrière pour voir. Ouais, on a demandé à Bruce Wayne s'il pouvait... Oui, parce qu'il y avait Bruce Wayne à côté de la... C'est juste un mec de la technique, en fait. Mais c'est un mec de la technique. Je l'ai pas vu quand j'ai parlé avec lui, du coup. D'accord. Ouais.
Et du coup, moi je l'appelais Bruce Wayne parce qu'il avait un peu la dégaine. Bah ouais, il était habillé. Plutôt classe, quoi. Et puis il maîtrisait l'engin, quoi, on va dire. Ouais. Mais du coup, ouais, non, enfin. D'ailleurs, avant l'Explo Batman, il y avait une demoiselle qui était super gentille aussi. Quand j'ai fait une demande un peu bizarre, elle aurait bien dit oui. Tout comme quand j'ai demandé si on pouvait prendre l'arrière de la Batmobile en photo. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont. Ouais, elle était pas bizarre, toi, de demander. Je voulais m'asseoir sur le siège de Batman. Bah oui, mais c'est pas bizarre. C'est tout le monde rêverait de faire ça, mais c'est juste que si tu dis à une personne oui, voilà, c'est ça, il y a tout le monde qui va vouloir le faire et c'est pas. Mais franchement, quand tu leur fais la demande. Tu vois que ça les fait chier comme de dire non. Parce qu'ils voient que t'es passionné, ils voient que en t'offrant juste ça qui est rien, ils te foutraient des dans les yeux. Et du coup ça les fait vachement chier quand même. On le sent vachement quoi. Ouais. Enfin le mec de la Batmobile, c'est à moitié un rêve. Elle est vachement gentille. Et ouais c'est vrai que bah du coup j'ai pas posé mon cul dans le siège de la Batmobile. Non si pour le siège de la Batmobile. Ah non, ouais. Mais par contre c'est impressionnant de l'avoir en vrai. Ah ouais. En plus je sais où est le petit bouton pour l'ouvrir, donc voilà, moi je suis content. Si j'avais un jour dans la rue, faites gaffe d'ici, hein. Si un jour vous la foutez dans la rue à Lyon, elle va pas faire la nuit. Et je vais pas faire comme Robin, je vais pas voler que les pneus, hein, parce que je sais pas mourir moi. Oui. Viens, dis bonjour. Je te fiste. Ah bon? Dis bonjour. Bonjour. Ça voilà. On a passé un bon moment, Alex? Très bon. Et toi, Martin, on a passé de bons moments? Ouais. Et alors, vous avez bien aimé le festival? Ouais, c'était bien cool dans l'ensemble. On a pu parler à plein d'auteurs, c'était cool. Puis même l'ambiance c'est bien, c'est pas que forcément. Attends. Ça fait aussi BD belge, c'est cool. Bah c'est surtout BD belge. Ouais, majorité ouais, au début, ouais. Ah si, on a un truc qu'on a pas parlé, c'est l'espace indépendant. Ouais, mais l'espace indépendant. Enfin, eux ils pourront en parler plus que nous parce que nous on a pas tout fait. C'est vrai qu'on a pas tout fait du coup, comme... mais c'est... je vois pas où était le centre. Bah si, moi je vois où c'est. Oula ! Non, c'est normal. Je vois où c'était, mais. Je pensais que. En fait, c'était super grand. Et au fond, il y avait sur la droite, il y avait une sorte d'entrée. Ouais. Et nous, on pensait que c'était pour la technique, du coup, on n'y est pas allé. Et au final, il y avait des trucs. C'était pas pour la technique, bah c'était là l'entrée. Ouais. Oui, ça continue. Il y avait des trucs en dessous et ça avait l'air encore plus grand, du coup, nous, on l'a pas fait. Un peu dégoûté, mais bon, tant pis. Il y avait des trucs pas mal, franchement, il y avait des trucs sympas. C'est bien cool. Et bah, du coup, si vous avez regardé jusque-là, et bah, merci d'avoir regardé jusque-là. Et puis, bah, à plus dans le bus, lâche le pouce bleu si t'es content. Enfin, vers le haut. Oh, c'est beau, regardez, j'avais même mis mon truc Batman. Qu'est-ce qui est con ce mec. Puis bah abonne-toi, et puis abonne-toi à leur chaîne aussi que je vais mettre là. Et puis bah voilà, et puis partage, fais ce que tu veux. Ouais. Par contre je le partage pas, il est à moi. Vous dites au revoir. C'est... Au revoir. Dites au revoir. Au revoir. C'est moi Naruto. Naruto.